Bonjour à tous, je suis Alice. Aujourd'hui, nous allons préparer du poulet sauté. Commençons. Tout d'abord, j'ai préparé 3 cuisses de poulet. Après les avoir lavées et désossées, j'ai laissé couper en morceaux uniformes. Ensuite, j'ai versé une quantité appropriée de fécule de tapioca dans un bol. Puis j'ai enrobé les morceaux de poulet de fécule et je les ai mis de côté sur une assiette. Ensuite, j'ai haché l'ail et coupé finement la moitié d'un oignon. Nous allons préparer une sauce d'assaisonnement en versant 2 cuillères à soupe de ketchup, 1 cuillère à soupe de sauce soja, une petite cuillère de mélange d'épices. Si vous n'avez pas de mélange d'épices, vous pouvez utiliser du poivre moulin à la place. Un peu de sucre et de sauce d'huître dans le bol. Ensuite, j'ai ajouté 2 cuillères à soupe d'eau et j'ai bien mélangé. Cette sauce est prête à être utilisée. Une fois que tous les ingrédients sont prêts, j'ai chauffé une quantité appropriée d'huître dans une poêle. Ensuite, j'ai fait sauter les morceaux de poulet dans la poêle jusqu'à ce qu'ils soient dorés d'un côté. Puis j'ai laissé retourner pour les faire dorer de l'autre côté. Une fois dorés des deux côtés, je les ai mis de côté sur une assiette. Dans la même poêle, j'ai fait revenir l'ail et l'oignon haché jusqu'à ce qu'ils dégagent leur parfum. À ce stade, j'ai ajouté la sauce d'assaisonnement préparée précédemment. Si vous trouvez que la sauce n'est pas assez abondante, vous pouvez ajouter un peu d'eau. Une fois que la sauce bout, j'ai ajouté les morceaux de poulet sautés précédemment et laissé bien enrobés de sauce. Après environ 1 minute de cuisson, c'est prêt à servir. Ce poulet sauté a un goût délicieux de tomate et vous ferez l'appétit. Bon appétit!